Now to the English version. Sure. So since we don't know what Vero French class on the road is, well, it's self-explanatory. It's in French, right? Is in French, and this is in on the road. On the road, so okay. It means that I'm going everywhere. With your suitcase? With my suitcase, yes. Full of pictures or documents. With my original document, or with my book, or with my lesson. Okay. So I'm going. Do you teach mostly art? I teach art. I teach science, literature, history, and geography. Okay. So in that little suitcase, in that big suitcase. suitcase. You put all the documents for the level of the child you're gonna meet. Yeah, I tailored. I tailor it with my team, all listen from the beginner to AP. Mm. So we are able to follow the student. So we take care about exam in French. Yeah. Because this is the goal for most of students. Yeah. And we pay attention about that. Okay, so when you say your team, sometimes you go with a teacher? So I have two teachers and one dean for English people. Oh, okay. English dean. Okay. So she's very specialized for the English version. People. Yeah. Yes. But we work together and we have a big communication together to be sure that all students making some progress. So your English is pretty good now. You've been here 2 years, right? I mean, you learn by now since you have a French. I learn with my student. It's very interesting because the student learn French, but you know when the student learn French, they need translate in English and in French. Yeah. So when we do the vocabulary, you learn. I learn too. So it's very important to us that we can translate, and it's very interesting experience for that. Do you speak to your son in French or in English? Always in French. Oh, okay, so when he goes to the English class, he's not as prepared. He is perfectly bilingual. Oh. So he's he was in a French American school, so I'm very happy about that. So he's half French, half English. Yes. Now he's in American school and no problem with that. Really? Really. Oh, so he can follow whatever the teacher's talking about? No problem with that. We don't need someone to translate. He's perfectly bilingual. So okay, can read a book in English? Yeah, sure. So I give him the text in English and in French. Wow. But because I'm a French teacher, I insist, of course, about the French. But and you speak to him in French? Always in French. And with his dad, he speaks in English? Or he's also in French? I think that he speak in French and in English. Yeah. At my home, I insist about the French because it's a beautiful language. And you know, on the roads, all the French help you in English. You have so many vocabulary in old French that you can translate in English. Okay, but if he brings an American friend home, you make the effort to speak in English. Yeah. Okay. Okay. So, did your son attend a regular French school in France? So, my son... did he get formed in America? No, he did everything in America because we came... A long time ago. Yeah, 6 years ago. Okay, so that's he why. Was too young to even touch the... He just know the French system only 3 months when he was 2 years old. Oh, okay. So a pretty short experience. So he's pretty much Americanized. Yes and no. Oh, okay. Because when we're coming back in France, I want that he see everything in French, but not only the family. I want that he see the Louvre or something. Some museum, for example, we have visited a prehistoric cave. You took him there? Yes. Oh. So it becomes magic. So in Dordogne, you for real,
you have, if you're very motivated, yeah, you can visit the last prehistoric cave and he show what is this for real. And it's there. It's there. You it's can real. Touch it. No, you can't, Matt. No. But you see the mammoth or you see the lion for real. Really? And so the lesson become for real. Mm. So you can feel the history. You can feel what's happening here just a little bit. And after that, to prepare that, yeah, I do the lesson, but it's not the classic lesson. It's about art. It's about how do you live. It's about being. Oh, okay. So that's a very nice experience. Okay. And I want that it touched this. And when I'm coming back here, I want my student, they can go to the prehistoric cave because it's unique, of course. But when I'm coming back with Silex, I'm coming back with picture, I'm coming back with this experience, and I try that my student feel that for real. And it's very important for me that my student understand how is important. It's not just a museum or it's just not a piece in the museum. You have been there. Yeah, behind of this, yeah, you have the being story in your humanity. And so you have to spend all that money to go to these places and buy the slides and the pictures and everything. It's an investment, I assume, in the long term. It's an investment almost in time. Okay, because you're going to use it over and over again. Yeah, over and over, because it takes your time all the time. Okay. So it means that I'm looking for all the time the last discovery, the last information, mm-hmm, and to be sure that I update my knowledge, yeah, and to be sure that the student have an access to this knowledge. I was thinking a 6-year-old might have a different interest than a 12-year-old. Yeah. So would they want to see more cartoons, or what do they want to see when they're younger? They don't want to see a painting of Louis the 14th. They want to see something like more kids stuff. No? I have the material from the museum, and when we do, for example, a puzzle, yeah, when we do a memory card, yeah, it's the not real thing. It's a real thing, so it's about a real piece of art. Oh. And I guarantee you that they love it. They do? Yeah, they do. Very interesting. And they manipulate the picture. And the real painting or the real picture? The real picture. And with the so the museum do this game, yeah, produce this game for real. So I buy it, mm-hmm, and my students play with that. Okay. You buy that when you go visit the museum? Yes. Okay. So you can, they, when you have the memory card, it's about, for prehistoric, for example, you have two picture, but it's about the picture that you can find in the cave for real. And there are no problem. Mm. And because this art specific, it's not for the reader. You know, this picture is for somebody that they can't read. So the children have this innocence. They can understand the picture, and there are no problems. They love it. Oh, okay. They really love it. So what you're doing is awesome, because in American school, they don't teach geography and history until in the later years, right? Yeah, until I know. Until they are in high school. So while they're little, they don't know anything. They don't know what's going on in history or geography, no matter what country you're talking about. Yeah, I... They just learn math and English or French, that's it. And that's it. So you bring something that the school are not offering. Yeah, and I bring the workshop, handmade, at school. So I add work in the preschool, and I want that they work about the 5 continents. But when we work about this, we work about art for real. For example, Australia, they do dot, 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 dot with the real picture, with the real color. And the result is amazing. Mm. Really, really. But it's sad because
the students are able to work on the real art. Mm. They understand that. Of course, you can finished product. Yes, you can't teach like you, like if you are in university, of course, but they can feel it. They can understand. They can see the difference. Mm-hmm. We use the sense. Okay. So the flavor, listening, touch, and they cannot touch a sculpture, but they can just see the sculpture. Yeah, but they can do the production of something, and it's amazing. The result always is amazing. When you see they can do something, you bring a little bit of coloring with you? Yeah, sure. Oh, okay. So they can kind of reproduce a little bit? Yeah, they reproduce. So you have the, in black and white, a picture or a painting. Yeah. And they do with the colored. Wow. And they reproduce, or they imagine, or you do in the same way. Mm-hmm. And so they use their art supplies a little bit. Yes, and they can, for the preschooler, of course. Yeah. For the older. They have to buy the supplies, whatever. Yes, whatever, but they manipulate, they have the card, they have the map, they have the picture, and... It might become a passion for them. Yes, but for example, for Renaissance... Yeah. You use math to understand the painting. Wow. So, Raphael or Michelangelo, if you don't understand that you have the math in the painting, you don't understand this painting. Okay. So it means that you have the triangle, you have the circle, you have the a straight line. Wow. So they learn all the shapes. So they learn mathematics when you do that, period. Yeah. They learn the word for it too. And the perspective and everything, but we use math. Mm. So we use math in geography, we use math or science for art. Yeah. And the reading of this material, it's different. So it's making the difference between, I do only my teach with the book and that's all. Mm-hmm. And I try that they feel it and understand what's happening in this period for this painter. Oh, great. And are you an artist a little bit yourself? No. Just just teaching. Just teaching and have their archaeology. Maybe a student is better than you then. I'm sure about that. I'm sure about that. Okay. So they might be talented and do something more beautiful than what you can do. I'm sure, and we laugh about that. Okay. We have a sense of humor about that. It's funny how some kids, you don't have to teach them anything, and they're just awesome. I mean, they're just born with it, like if they had a previous life where they were artists, and then it comes naturally to them. And some kids, the parents push them to be artists, they give them all the supplies, and they can't do it. No stress. No always stress. No stress. You just... offer the possibilities to discover and open your mind. Yeah, and this see is if you're an artist yourself. Something, some subjects working. Yeah. Something is it's not working. Or for example, we have doing Japan. It was beautiful. We have done another topics and it doesn't work. Doesn't matter. They know that it exists. Mm. And perhaps after, during their life, they discovered again. They discovered, but they know that it's here. We just put a seed and offer the possibilities and open your mind. Yeah, it will happen later. Of course. Yeah. So that's good. So nobody in your family is really an artist. It's just that you like to learn about it. Yeah. And you were an archaeologist yourself. I'm not an archaeologist, but I. Learn archaeology in my university. Okay. So which university is that? La Sorbonne. Ah bon? So they learned that in La Sorbonne? They learned that in La Sorbonne, and we was 12 students only in Egyptology. In that particular class? Yes, and we were going in the Louvre to discover the real monument and the real pieces. So we work on it. Is it true that it takes about a whole week to discover everything in the Louvre from the top to the basement? It's impossible to discover everything. It's huge. Yeah, it's so huge, so interesting. And so you have, I can talk of course about the Egypt department,
Yeah, but I mean, if you have to spend 10 days in Paris, you would have to go see it at least one day, right? Yeah, some parts they do. I know that do again Arabic department Yeah. two years or 1 years Wow. ago. Yeah, I They think, yeah, rebuilt they remove, they update it. information. That I like in the French Museum is that they give an access to the children and to the people. They have knowledge in art or knowledge in history. Before, it was the specialist for the specialist. You know, it was boring to go in the museum because there are no animation, nothing, and just read the panel, go with your children, and it was a nightmare for everybody. So now it's become real. It's, you have a communication between the people and the painting or the monument or what you want, Yeah. or the sculpture. So it becomes a communication. And one we bring here is from the French Museum. I try to bring this feeling in the Bay Area for my Okay. students. So your message to the kids, whether they're young or old, is of discovery. Is discovery, open your mind. It's a beautiful that you can find everywhere. Just give a chance to explain to you and play with that. Yeah. And So you basically you don't tell them you have to discover this or that. You let them discover on their own. yeah, sure. Something like that. Something like that. You show them picture, you We show them. propose Yeah. and they play with this. Yeah. And sometimes we propose something and the topic, they are very graceful for that and they want to learn more. So of course we tailored our lesson To what they want to learn. what they want to learn and we adapt the message and we continue. So And you take notes after each teacher what they want to learn. yes, of Oh, course, of course, of okay. course, because So I like that. it's So very, very specific to the child. yes, very specific. And even for an adult, when you Okay. love it, it's easier for us to learn more about the topics, you know. So we go and we inside in there. So To get, I mean, if it's an adult, they already had their own classes they took before or something. sometimes the adult have something in her mind, and you can change that. And our goal is, okay, you have one topic, you have one thing, but let us show Something more, else, something else, something more, something that you can like or you can You appreciate, just propose. just propose, or you can love. Okay. And we have a few sample or a few example about that. They don't think about that, but let us Oh. show you. Do you have a favorite art yourself? Do you like the Monet or do you prefer the more classic or do you have a preference? Antiquity, of course, and Egyptology, because it was Oh, you my like because it was my specialization. So Egyptology. yeah, so I could translate hieroglyph, so I spend a lot of time. Oh, do you know the husband of Brigitte Bardot came here at the Sausalito Art Festival and he sold 3,000 of his painting, you know, replications of his Wow. painting. And people love it. I mean, I don't know. I mean, I wouldn't buy it, but some people have a taste for that. Yes. I did. It's beautiful. Yeah. And there you have an exhibit for the painting in Sausalito or No, you know, there is like 2,500 artists from all over the world at the It's Sausalito Art fantastic. Festival, and there were about maybe 10 French ones. Okay. Yeah, one of them was Jacques Charrier, the previous husband of Brigitte Bardot, and he's an artist now. So it's fabulous because the artists are in the same time and the same place. Yeah. So it means that you can look the tendons, you can look Exactly, yeah. exactly. So the painter who was painting in Paris was all brown and gray and black. The painter who came from
the Côte d'Azur, all his paintings were yellow and blue skies and green grass. It was totally different colors. It's like you can tell they were from two different areas of France. That's very interesting. So, because that's what they see all day, and it's reflecting in their paintings. So yeah, where are you from? It really influenced the colors that pick when you paint. But yeah, like you said, it depends what you're exposed to all day long. What you're exposed, what you want, what you're looking for, what you want, not to do the same thing, but look the others. Yeah. Look the others. Look a painting from painter from Paris, or look a painter from south of France. Mm-hmm. But look your work. Try to understand what they want to say to the people. It's very, very interesting. Yeah, I'm sure that now that you're going to keep on doing it, you're going to discover other things yourself, yes, not just the student. And the other country. Yeah. This is the opportunity to feel it, to create something perhaps different after the Salon of Painting. Oh, yeah, yeah. You can also once in a while introduce a little bit of Japanese art or Chinese art. Yeah, I mean, there's different forms, right? They all have their own. How they should see things, you know, love those little miniatures and stuff. They all have more details in some countries than others. Or the way or you paint. Yeah, the way they are taught how to paint. Yes. Yeah. So yeah, this must be very fascinating. So thank you so much for being here. I learned a lot, and thank you, Aline. Enjoy the journey, because as you meet more and more students from all the countries, you're gonna discover things yourself. Thank you. Okay, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Véronique, que j'ai rencontrée à French Morning. Au Salon de l'Éducation. Au Salon d'Éducation. Lors de la bilingual. Organisée par French Morning. Organisée par French Morning, oui. C'était super cet événement. Je crois que tu étais là-bas l'année dernière. Alors, j'étais là aussi l'année dernière, en représentation, et ça permet de rencontrer les écoles, de rencontrer les parents, et d'avoir un contact et une ouverture sur ce qui se fait. Ouais, il y avait surtout des Français. Il y avait, l'année dernière, c'était beaucoup plus mixte. Il y avait Américains et Français. Cette année, c'était très Français. Ouais. Et il y avait plus de monde l'année dernière, n'est-ce pas? Il y avait plus de monde l'année dernière, mais en raison des conditions météorologiques. D'accord, mais moi je suis partie vers midi et demi. Est-ce que les gens sont arrivés l'après-midi? Non, parce que pour des raisons, il y avait les incendies à l'époque. Et donc ça a ralenti. Et ça a ralenti l'activité, mais ça a permis aux professionnels de se rencontrer, et surtout ça a permis d'échanger et nouer des contacts. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque le fait qu'il y ait moins de monde sur le salon m'a permis de discuter avec les écoles françaises, avec des écoles américaines. Ok. Et est-ce que ça valait la peine pour toi d'y aller? Moi, ça a été véritablement bénéfique, parce que j'ai pu discuter avec le consulat de France pour mener à bien des projets qui me tiennent à cœur, et notamment de monter des ateliers culturels en partenariat avec le consulat de France et puis le ministère de la Culture, et puis de prendre contact avec les écoles françaises. Le consulat est venu. Le consulat est venu, oui, poser des questions, puisque nous faisons des cours de français pour les individuels, nous faisons des cours de français pour des mini-groupes, mais surtout nous faisons des interventions dans les écoles sous forme d'ateliers culturels qui sont clés en main sur n'importe quel sujet, histoire, géographie ou actualité, ce qui permet en fait aux écoles de traiter des sujets pour lesquels les professeurs n'ont pas forcément le temps de rentrer en profondeur, et nous sommes là en intervention rapide. Je sais qu'à New York, il y a un support pour les organismes bilingues. Est-ce que vous avez pu obtenir ce support? Non, pas encore. Ah, bon. C'est la raison pour laquelle, justement, je suis rentrée en contact avec le consulat de France. D'accord. Pour développer, que ce soit en Californie, la même chose, mais de l'autre côté des États-Unis. D'accord. Donc, peut-être que c'est parce que là-bas, vous avez, à New York,
Non seulement le consulat, mais aussi ça s'appelle l'ambassade. Ça s'appelle l'ambassade, oui, oui, tout à fait. Alors, donc l'ambassade a mis tout le budget sur New York ? Aucune idée. Là, j'en ai pas la moindre idée. C'est l'idée des ateliers culturels sortent tout droit de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je suis déjà en contact avec les écoles françaises. Je suis déjà en contact avec des écoles américaines qui sont fortement intéressées par le projet. Et de venir en support et en renfort de ce qui se fait déjà dans les écoles. Okay, okay. L'idée, c'est d'emmener ce qui se fait en France, oui. Que ce soit les expositions, l'actualité, et de ramener tout ça, mais en Californie et dans la Bay Area. D'accord. Mais est-ce que tu auras un mot à dire sur l'allocation des fonds du consulat sur ce genre de projet? Je n'utilise pas les fonds du consulat du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Je ne demande pas de fonds du consulat. Je demande à ce que je sois aidée dans les rapports avec les musées. Donc je suis déjà en contact avec les musées, mais ce n'est pas évident en tant qu'individuel. Donc la seule chose que je demande, moi, ce sont les rapports, ce sont les dossiers pédagogiques ou en tout cas ce qui existe, les mallettes pédagogiques qui existent déjà dans les musées et de les ramener ici, de faciliter la communication. Je ne demande pas de budget, je demande vraiment qu'on me facilite la mise en relation avec les personnels compétents. D'accord, donc quand tu dis les musées, il y a des musées ici que tu veux contacter ou c'est autre chose? Je suis déjà en contact avec plusieurs musées en France. Ah, en France. Voilà, en France, qui possèdent déjà des dossiers pédagogiques particulièrement riches, mais qui sont développés que à destination des Français sur le territoire français et qui ne profitent pas à la communauté française de la Bay Area ou même aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de rapporter ce qui existe déjà, de le développer à destination des francophones et de le mettre à disposition à des enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller en Europe pour des questions budgétaires ou qui culturellement n'ont pas pris connaissance de ce qui se passe en Europe et donc de transformer ces supports à destination de ces enfants. Ah, d'accord, donc tous ces sujets de musée. Oui. Qui sont très culturels, tu veux les amener aux États-Unis. C'est exactement ça, c'est le musée chez vous. C'est le musée chez vous. C'est le musée chez vous, ce sont les expositions chez vous, et c'est découvrir le monde, mais on sait très bien que ça demande un certain budget ou du temps pour les parents, et là, c'est faciliter cette communication et cet apport culturel directement à la maison. Oui, c'est super. Ou dans les écoles. J'étais justement à la démonstration pour les Gilets jaunes, et ça se passe aussi à Versailles. Ouais. C'est un musée. Ouais. Enfin, en lui-même, c'est un musée. Et donc, je suis sûre que ça a quelque chose... Ça a une valeur symbolique. Voilà. C'est une valeur symbolique avec la Révolution, mais ça a une valeur symbolique. Et en fait, c'est de faire partager ça. Que ça ne soit pas simplement une image d'Épinal ou simplement une destination pour quelques-uns privilégiés, mais c'est permettre à ces enfants de connaître le patrimoine mondial et plus particulièrement, évidemment, en ce qui me concerne, le patrimoine de la France, où vous avez de très nombreux sites qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO, mais pour lesquels les gens ne le connaissent pas. D'accord, donc vous leur montrez des slideshows ou des photos de ces endroits. Alors, je fais des sortes de mini-conférences avec les élèves repartent avec un mini-dossier pour qu'ils puissent bénéficier des informations. Et surtout, je rapporte mes propres collections, mes propres objets qui sont en réel. Donc les élèves peuvent découvrir des vraies pièces de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, peuvent découvrir des vrais documents ou des journaux de 1945. J'apporte, oui, vraiment des vrais documents historiques ou du silex pour quand je fais la préhistoire. Ouais. Et ça permet aux enfants soit de toucher, soit de regarder, mais en tout cas que ça sorte des vitrines et que ça prenne une certaine réalité. Choses qu'ils n'ont pas forcément conscience quand ils visitent avec leurs parents les musées, parce que bon, on n'aime pas trop ça. Mais du coup, ça prend une autre réalité, une autre dimension. Oui, c'est vrai que pour aller au Legion of Honor, où il y a des expos françaises, c'est une expédition. C'est une expédition. C'est très beau, mais il faut pouvoir y aller. Et surtout que tu habites de l'autre côté de la baie, c'est ça, enfin, du au sud. Alors, moi, j'habite au sud, mais je me déplace.
Ah d'accord, d'accord, Moi, d'accord. je me déplace et c'est vraiment Vero's French Classes on the road et vraiment on the road, c'est-à-dire je suis itinérante. Ah Je bon. n'ai pas de building, je n'ai pas de Tu vas voir bâtiment. l'enfant sur place. Je vais voir l'enfant sur place avec mon matériel ou je vais voir les écoles avec mon Sur matériel place. sur place. Ouais. Ah oui, tu peux faire un petit contrat avec des écoles, voilà. Exactement. Bah, Ah c'est ce qui oui. est en train de se passer avec des écoles françaises et Est-ce américaines. que ta formation, c'est dans les arts et les musées en France? Tu t'es formée Alors, là-dessus? j'ai été formée à Paris 4 Sorbonne, Oui. j'ai un master 2 à la Sorbonne, et ma spécialité c'était égyptologie, donc j'ai aussi une recommandation de l'IFAO, qui est Oui. l'Institut français d'archéologie orientale, et ce qui me permet d'avoir évidemment une connaissance en De histoire et l'histoire. de l'histoire approfondie en tant que spécialiste, et bien sûr géographie. Et tu connais sûrement l'histoire de l'art Oui, parce que française. quand on fait archéologie, Vous allez vous découvrir ça. Tu as ouais. découvert des trucs au sous-sol toi-même quand tu as fait des recherches? Alors, personnellement, j'ai pas mené de chantier de fouilles. En revanche, il faut savoir que même quand vous êtes archéologue, 90% du temps se passe en bibliothèque. On est loin des fouilles en réel. Ça se passe, vous avez des fouilles qui sont enregistrées dans des rapports et ensuite, eh bien, c'est le décortiquage Donc tu as de ces fait ça, fouilles. tu as fait un peu Ouais, de ça. ouais. Ah, Voilà. donc Donc je là. sais de quoi je parle quand je parle à mes interlocuteurs. Ouais. Je visualise parfaitement de quoi il s'agit. Comment tu as découvert tout ça? Voilà, ouais. Ouais. Donc tu as visité, je suppose, toi-même les grands musées de Paris. Alors, les grands musées de Paris sont connus par cœur, à l'étage près, à la pièce près. Ah oui, tu les Ouais. connais? Ben, on finit par les connaître par cœur. Ouais. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de me déplacer à travers la France et puis à travers l'Europe. Et de voir les châteaux, tout ça. Et de voir les châteaux et de voir en réel Éphèse et de voir en réel l'Andalousie et de voir en réel et de toucher de manière concrète. Ouais. Et c'est totalement éblouissant. Mais quand tu enseignes aux Américains, je parlais à un Américain aujourd'hui en face du consulat, il m'a dit, mais la plupart des Américains ne savent même pas où se trouve la France. Oui, J'ai c'est dit, vrai. donc c'est vraiment l'ignorance à fond dans la géographie ici. C'est-à-dire, ils ont entendu parler du mot France, mais dis-leur où c'est situé, je sais pas, quelque part dans le monde. Tu leur enseignes où c'est? Oui, bien sûr. Tu... La première chose qu'on commence quand on fait un cours de français, c'est De leur montrer la carte. où se trouve la France et où se trouvent les pays francophones. Ah bon. Et c'est à cette occasion qu'ils découvrent que La le France. français est la troisième langue la plus parlée au monde. C'est vrai? Ouais, Si je croyais que c'était la cinquième. Ah, oh, c'est peut-être. Ou quatrième, mais Ouais, c'est en ouais. plein développement, notamment en Afrique. Ah bon. Ouais, vraiment. Et pour ces raisons-là, la première chose que vous faites, c'est une carte. Ouais, c'est une carte de géographie et les continents et Et donc j'assume que ces enfants apprennent le français. Ouais. D'accord. Ils ont des parents franco-américains. Non, pas Pas nécessairement. nécessairement. Ah Vous bon. avez tous les cas de figure. Vous Ah bon. avez, alors évidemment, les parents français ou francophones qui sont dans la Berea. Ouais. Vous avez des couples mixtes, Ouais. mais vous avez des francophiles, donc des Ouais. Américains véritablement amoureux du patrimoine Ouais. et qui souhaitent partager la langue, mais surtout la culture française ou la culture francophone. Avec leurs enfants. Ah, Avec leurs enfants, ce qui donne des sujets de conversation particulièrement intéressants, ah bon? puisque du coup, on est ouvert sur la culture, sur l'art, sur les échanges, et ça ne s'arrête pas simplement à une simple leçon de grammaire ou de texte, comme on peut le voir parfois, mais une véritable ouverture sur le monde, et ça donne des choses très intéressantes. Donc j'assume que ton cours est en anglais. Le cours est soit en anglais, mais forcément et en français, ou alors exclusivement en français, quand évidemment La personne parle bien. la personne parle bien français, bien sûr. Donc tu ajustes ton cours d'après l'audience, enfin d'après la Elle personne est que tu taillée embêtes. sur mesure. Elle est exactement taillée sur Elle est mesure. taillée sur mesure en Ah ouais. fonction de l'âge, en fonction du niveau et en fonction des capacités de l'enfant.
Donc, et quand tu dis l'enfant, ça peut être jusqu'à quel âge? On va jusqu'aux adultes. Donc, des petits de la maternelle jusqu'aux adultes. Donc, je me fais aider par mon équipe. Oui. Et j'ai une dean anglo donc, qui est spécialisée pour tout ce qui est anglophone. Donc, on a taillé sur mesure des cours pour débutants, pour des Américains. Ah bon, d'accord, d'accord. Donc, ce sont des quand tu dis pour des Américains, tu vas tout... Ah, vraiment, débutants ne parlant pas un seul mot de français. Et on commence par apprendre à dire bonjour. Ah bon. Donc, on va vraiment, soit on a ce cas de figure, soit l'autre cas de figure, ce sont des enfants qui sont francophones et qui comprennent un peu. Qui comprennent un peu et qui apprennent à lire ou qui apprennent... Alors, après, on a tous les niveaux possibles. D'accord. Donc, tu as en général un ou deux par classe. Alors, j'en ai soit un ou deux, soit j'ai une classe entière quand c'est une intervention en école, soit quand nous sommes en école américaine. Oui. Puisque j'ai ouvert une classe d'apprentissage de français. Alors, à ce moment-là, les étudiants sont un peu plus nombreux. Super. Et tu as commencé ça quand? Alors, la création de ma société en février 2017. Ah, c'est récent. C'est très récent, mais dès que je suis arrivée, quasiment, j'ai enseigné en français ici. Ah, d'accord, d'accord. Tu étais dans une école française. Toujours en itinérante. Toujours en itinérante, oui. D'accord, d'accord. Tu n'étais pas enseignante dans un lycée français. Non, j'ai refusé parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et ils ont leur propre curriculum alors que toi, tu voulais ton curriculum. Le curriculum est basé sur celui de l'éducation nationale française puisqu'il y a un objectif bien précis. Moi, je souhaitais être en complément et apporter un degré culturel que vous ne pouvez pas faire en classe parce que le temps leur manque. C'est aussi simple que ça. Eux font les mathématiques, les sciences, le français, etc. Donc, ça répond vraiment à un cursus. Alors que là, je fais toute la partie culturelle, art et apprentissage du français, mais au sens global. D'accord. Littérature et on ouvre véritablement. Oui, oui, au lieu d'apprendre, disons, tous les mots de la cuisine ou tous les mots du parc, toi, tu leur apprends tous les mots de la culture, de l'art ou de la culture. Alors, on y passe. Hein. Vous passez partout. On en passe partout, c'est obligatoire. Le vocabulaire, j'ai trouvé dommage que le vocabulaire ne sorte pas soit des contes, soit de la littérature. Donc, on fait le vocabulaire courant. D'accord. Mais évidemment... on fait du vocabulaire approfondi à différents niveaux. On fait même du vocabulaire familier parce que ces enfants-là, quand ils rentrent en France, ne comprennent pas forcément ce qui se dit. Ah bon ? Donc, on a les différents niveaux de langage, que ce soit du familier, du courant et du soutenu, ce qui permet d'appréhender toutes les situations. Ok. Donc, pour enseigner ça, est-ce qu'il te faut une formation pédagogique, un petit peu, ou bien pas du tout ? Alors, la formation, je forme mes professeurs. Je forme mes professeurs. D'accord. Je cherche des profils qui sont polyvalents. C'est-à-dire qui ont déjà enseigné. Soit qui ont déjà enseigné, soit des gens fortement intéressés par la culture ou par tout leur parcours scientifique ou tout ce qui peut se voir. Mais pas simplement un parcours tracé tout droit. Ce sont les gens polyvalents généralement arrivent à passer d'une culture ou d'un domaine à un autre sans aucune difficulté, sans se poser de questions, sans être enfermé dans des carcans. Et c'est ça qui me plaît. Ah, d'accord, d'accord. C'est vraiment cette ouverture. Quand vous faites de l'archéologie, vous faites des sciences, vous faites du langage, vous faites de la traduction, vous faites de la linguistique, vous faites énormément de choses. Et c'est ça qui me plaît à retrouver chez les gens. Quelqu'un qui me dit « j'ai 20 ans d'expérience », Mais j'ai jamais enseigné de cette manière. Et c'est aux parents d'éduquer et d'aller faire les musées. Ouais. Clairement, je leur dis non. Vous pouvez le faire vous-même, ouais. Parce que les enfants, les parents n'ont pas le temps et les enfants ne demandent que ça. Ah bon ? Il y a une magie quand j'apporte le matériel ou quand on leur fait voir une autre dimension. Ouais. Il y a une étincelle dans leurs yeux.
Et vous pouvez animer cette flamme et ensuite vous pouvez les faire aimer les musées ou aimer les sites et ça devient plus je traîne les pieds, j'ai envie d'y aller. Ah oui? Et là, c'est gagné. Ah d'accord, quand tu dis ils aiment les sites, tu leur montres des sites web ou ils montrent tout ça? Je montre des reconstitutions 3D, on fait la comparaison avec des vraies photos, la reconstitution 3D. Oui. On apprend les différentes techniques de peinture, on regarde un petit peu comment c'est, et ils découvrent des choses pour la première fois. Ils deviennent acteurs et non plus spectateurs dans les galeries des musées, et ils comprennent ce qui se passe. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, tu pratiques sur ton fils un peu, c'est ça? Parce qu'il était là avec toi. Est-ce qu'il est ton meilleur... Oui, parce que quelquefois, je réajuste en fonction de ses réactions. Oui, ça d'accord. m'arrive. Ouais. Et puis, ils ont un œil qui est très intéressant parce que comme c'est un œil innocent, quelquefois, ils voient des choses que nous n'avons plus l'habitude de voir puisque nous sommes devenus spécialistes. Mais à force de se spécialiser, nous ne voyons plus l'innocence de certaines choses. Oui, oui, là, il m'a vraiment surpris quand il m'a dit « Est-ce que je peux voir ?» Après, j'ai dit « Mais celui-là, il n'a pas compris ce qui se passe ici. » Non, non, non. Non, non, bien sûr. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Quand vous confrontez les enfants... C'est surprenant, c'est ça? C'est surprenant et il s'en passe des choses et avec une maturité qui est bluffante. Oui, oui, oui. C'est quelque... Des fois, ils disent des trucs et tu dis, mais c'est trop mignon, ça. C'est trop mignon, mais ils ne passent pas à côté. Ah, d'accord. Et ils ne passent pas à côté. Et quelquefois, ils voient des choses que vous perdez et que vous retrouvez parce que vous avez fait des études pour. Mais un enfant en bas âge voit les choses. Ouais. Et souvent, c'est... Il n'a pas les autres choses qui, dans mais sa tête. Mais non, il n'est pas pollué parce que ces œuvres d'art étaient bien souvent destinées à des gens qui ne savaient pas lire. Ah bon, ah bon. Et donc, les petits, ouais. finalement, décryptent très bien ce que nous ne voyons plus parce que, justement, nous recherchons des choses compliquées. Et cette innocence et le fait qu'ils ne sachent pas forcément lire, bon, mon fils, évidemment, a 9 ans, donc il sait lire, mais les tout-petits... finalement arrive à percevoir des choses parce que initialement soit ses œuvres ou soit ses vitraux etc. ou autre c'était chose par des gens qui ne savaient pas lire était destiné à des gens qui ne savaient pas lire et vous le retrouvez puisque ces enfants ne savent pas lire donc la seule communication en tout cas le seul élément qu'ils c'est ont c'est eux qui captent et qui ont les indices visuels très intéressant. Oui, alors tu peux les enregistrer de temps en temps, parce que ça doit être trop mignon tout ça. Oui, c'est adorable. Oui, tu as un tape recorder, non? Bien. Alors, je ne le fais pas, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. Oui, oui, je peux venir filmer un petit peu pour voir comment c'est un jour. Bah, si tu pas, le fais à San Francisco, hein, parce que je ne vais pas me déplacer. Mais tu viens de temps en temps à San Francisco? Alors, pas particulièrement, mais on peut éventuellement organiser quelque chose. Mais c'est... Parce qu'on a 5 écoles bilingues ici, enfin, de plusieurs niveaux, quoi. Alors, je suis en communication avec l'école, le lycée français. Oui, et l'école franco-américaine. Voilà, et donc, à la première occasion, on peut tout à fait... Oui, il y a quelques années, j'avais invité l'école bilingue dans le studio. On avait un super grand studio. J'ai aussi invité... j'ai filmé plusieurs trucs au lycée, à l'école franco-américaine. Donc, c'est toujours rafraîchissant de voir les enfants, comment ils interagissent. Et les questions, bien sûr, qui les accompagnent. Très, très donc, intéressant. Donc, ça rend ta profession très, très intéressant et très, très intéressante. C'est une joie, oui. C'est une joie au quotidien. Il y a peu de monde qui sont... c'est un privilège. Voilà, donc non seulement c'est une profession, mais aussi pour toi, c'est un plaisir. C'est un apport, c'est un apport. Quand vous avez un enfant qui vous sourit ou qui a les yeux qui brillent, c'est gagné. Ouais, c'est gagné, parce que ça veut dire que vous avez réussi à transmettre quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ah, d'accord. C'est un peu l'innocence du petit prince. Oui. Vous pouvez le faire en maternelle, c'est ce conte qui est absolument merveilleux, comme vous pouvez le faire à l'université. C'est vrai. Et cette histoire de petit prince, finalement, c'est un petit peu ce qui se passe dans nos classes. Oui. J'ai dessiné un éléphant, mais personne ne voyait un éléphant, tout le monde a cru que c'était un chapeau. Et c'était un peu ça. Ouais. Et du coup, mes parents qui voulaient que je fasse des choses très sérieuses, qui voyaient un chapeau et pas un éléphant, m'ont dit « tu dois faire des choses très sérieuses ». Et j'ai abandonné finalement cette idée de dessin. Et bien, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que ces enfants et la communication que vous avez vous permettent de découvrir
à l'instar de ce que vous voyez, comment on voit les choses, et c'est un bonheur indescriptible. Ben, je suis très contente que tu as découvert une activité qui est si fascinante, parce que c'est pas tous les jours qu'on travaille avec des enfants. Donc, quand on travaille toujours avec des adultes, ils pensent comme des adultes et nous aussi. Mm-hmm. Et puis quand tout d'un coup, tu as quelqu'un qui a une autre perspective sur les choses, c'est très, très, alors très c'est, intéressant. Des fois, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur parce pourquoi que... Pourquoi c'est dur? Parce qu'on arrive en programme after school et ouais. qu'on est là comme au départ, comme la maîtresse qui vient après l'école, donc c'est l'école après l'école. Et notre travail à nous, c'est d'aimer cette école après l'école et de faire découvrir des choses qu'ils n'auraient pas vues ou qu'ils ne voient pas directement dans les écoles. Ok. Et combien de cours, disons, tu donnes à un enfant, disons, de cet âge-là sur la photo, tu lui donnerais peut-être 5 cours, c'est un package, c'est ça? Alors, ces enfants-là, je les vois tout au long de l'année. Et généralement, c'est une heure et demie, 2 heures par semaine. Ah, c'est beaucoup. Et une heure et demie, en une heure et demie, 2 heures par semaine, on peut faire les programmes et on peut faire beaucoup de choses. Mais ah ça bon. Implique que vous ne suivez pas soit un livre, soit une ligne, encore une fois, toute tracée. Oui. Ça veut dire que nous refaisons entièrement les leçons. À ton itinéraire. À mon itinéraire, mais aussi en se préoccupant de ce qui se passe autour et du programme de l'éducation nationale, puisque c'est des enfants qui, quelquefois, sont amenés à revenir dans le système français quand il y a des retours. Donc, nous sommes vigilants à ça. Oui. Mais ça veut dire que toutes les leçons sont retravaillées sur ce format-là pour passer les programmes et apporter, justement, la richesse culturelle en plus. Donc, mais tout est retaillé. Ok. Est-ce que toi, tu es familière avec le curriculum français ? Oui, il est connu par cœur, oui. Tu le connais ? Oui. Donc, tu sais ce qui se passe parfaitement. En 8e grade ou en 11e, je ne sais pas, quelque soit. En CM1, CM2. Oui, voilà, bien sûr. Tu sais bien ce sûr, qui se passe. Bien sûr. Jusqu'à le bac, oui, bien oui, sûr. Oui, tu sais ce qui se passe. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas ignorer. Enfin, vous ne pouvez pas... Bypass. Non, c'est très important d'être connecté. Mais le fait d'être connecté, vous en retirez les concepts qui sont développés dans l'année. Oui. Vous retravaillez, nous retravaillons en équipe les concepts pour les adapter au format d'une heure ou de 2 heures par semaine. Et tout ça, ça a été... Donc c'est des heures c'est et des heures. C'est toi qui as désigné, designed le programme. Ouais. C'est toi. Ouais. C'est toi qui as tout fait, quoi. Enfin... Ça, c'est pour les enfants ouais. de 6 ans, ça, c'est pour les 10 ans. C'est des heures et des heures de préparation. Ah bon? C'est des centaines d'heures de préparation derrière, parce que ça veut dire être en communication avec les musées, ça veut dire réadapter les formats aux heures, au peu d'heures finalement que nous avons, ça veut dire les rendre intéressants et en même temps raccrocher avec le programme français. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser une ligne droite ou des manuels tout préparés, ça veut dire qu'il faut tout retailler en fonction des élèves. Ah bon, d'accord. Ok, ben Véronique, je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de faire la partie en anglais maintenant. Oui. Et si tu veux faire plus de détails là-dessus en français, on pourra le faire un jour. Donc, we're gonna switch now.